Bonjour et bienvenue sur la Gata TV. Bonjour les druides, j'espère que vous allez bien. Vous êtes en présence du druide Tech et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation, et oui encore, d'un remaster sur Switch. Parce que quand on sait pas créer, eh ben on nous envoie des remasters, c'est plus facile. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un jeu qui est sorti en 2001 sur PC, PS2, Xbox. Ouais, ça commence à dater. Moi j'ai connu ce jeu là sur PC à l'époque. Et on va parler de Commando 2, donc le fameux remaster qui est sorti le 4/12 sur Nintendo Switch. Il est actuellement disponible si vous voulez le voir. Il est au prix de 29,99€, donc on va voir ce que ça vaut. Mais je m'attends pas à du lourd, j'avais bien aimé sur PC, mais là sur Switch, qu'est-ce que ça va donner? C'est pour ça que je l'ai pris avec la manette. 1940. Le Blitzkrieg allemand écrase successivement sur son passage les armées de la Pologne, de la Norvège, du Danemark, de la Belgique, de la Hollande et de la France. Ce qui reste de l'armée alliée est contraint à une coûteuse et humiliante retraite sur les plages de Dunkerque. Seule, l'Angleterre échappe encore à la tempête d'acier et de feu déchaînée par les troupes du Troisième Reich. Et alors que l'armée allemande prépare activement l'invasion de l'île, l'état-major allié dresse un premier bilan de sa situation précaire. Ses tactiques, armements et gradés ont fait montre de carences catastrophiques face à un ennemi supérieur dans tous les domaines. L'Angleterre est en retard d'une guerre, et une remise en question à tous les niveaux est impérative. C'est dans ces circonstances qu'un plan des plus audacieux est approuvé. La création d'une unité spéciale d'élite rassemblant des soldats d'exception. Des spécialistes du corps à corps capables d'utiliser tous les types d'armements et d'explosifs. Des hommes d'initiative pouvant s'adapter à des situations évolutives et extrêmes. Les mieux entraînés, les plus braves, en un mot, les meilleurs. Leur objectif, devenir l'avant-garde des troupes alliées, le fer de lance de la contre-offensive qui mènera à la chute du Troisième Reich. Les commandos sont nés. Et voilà pour l'intro de Commando 2. Donc, comme je vous l'ai dit, jeu qui est sorti en 2001 et qui est disponible maintenant depuis le 4/12. Donc, développé par Yippie Entertainment, on l'a vu au tout début de la vidéo, et l'éditeur, c'est Calypso Media Group. Donc, au niveau des langues français, anglais, espagnol et tout ce que tu veux, italien, russe. Donc, tu peux y jouer en mode dock ou en mode portable, il n'y a pas de problème là-dessus. Le jeu est classé PEGI 16, donc attention, il y a un petit peu de sang et tout ça, c'est un petit peu, c'est la guerre, on l'a vu dans l'intro. Voilà, et le jeu, donc moi, installé sur ma micro SD, fait environ 2,3 Go installé. Donc, mission, option, la 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 la, audio, option de jeu, commande, voilà, c'est ça qui va me faire peur, parce que du coup, le jeu, j'avais kiffé sur PC, parce que j'aime bien jouer avec le clavier souris, les raccourcis de ça, vous connaissez, en plus, tu peux taper tes macros, donc comme ça, t'es tranquille, là, d'y jouer avec la manette de la Switch, voilà, je vais voir ce que ça va donner, mais je m'attends pas à du lourd. Donc on va essayer de se faire un petit let's play, gameplay, d'une 10-15 minutes max, ça va pas être le plus grand jeu, en fait. Parce que c'est un jeu tactique et stratégie tactique. Et du coup, bah, à des moments, faut attendre et tout. Bon, bah, tous ceux qui connaissent un peu la franchise ou le système de ces jeux-là, bah, vous allez voir, en fait, c'est pas 100% action, quoi. Donc là, vous voyez les animations de 2001. Et ouais, ça a pas changé. C'est nickel. Ce poste frontière va ralentir nos troupes, faut le neutraliser. Éliminons l'officier. Sans lui, ces hommes ne résisteront pas longtemps. Ces deux-là vont mourir, autant les soulager, mais en douceur, hein. Là-bas, de l'autre côté, tu vois la caisse? Je devrais aller voir s'il n'y a pas un truc intéressant dedans. J'ai qu'à grimper sur le poteau électrique et avancer le long des câbles. Bon, bah, je vais passer une petite commande. Si tu trouves des cisailles, je coupe ces barbelés et je démine le terrain. Un problème? Pouah! Déjà, la full commande, là, t'as mal à la tête. Donc, le temps de tout apprendre et tout ça. Tac, tac, tac. Donc là, mission simple, mais ça va le faire. Hein. C'est une sorte de didacticiel, mais ça va largement nous suffire pour tester et appréhender le jeu, quoi. Donc là, sélectionner personnage L, appuyer sur A pour les commandes de caméra pour changer le mode de caméra, appuyer sur L pour changer la posture. Bon, on va voir, mais c'est un peu fouillis, c'est un peu le bordel. Hein. Moi, personnellement, si vous voulez jouer à un jeu comme ça, je vous conseille d'aller directement sur PC, quoi. J'aimerais bien commencer à jouer. Super. Donc là, on a notre personnage. Donc là, avec la manette de gauche, ok, je peux diriger mon personnage. Si j'appuie dessus, il se lève, c'est super. Donc là, on va essayer. Donc, chacun ses aptitudes. Ok, 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 ok. Donc là, hop, ZR et je vais l'assommer, super. Donc lui, par exemple, il va pouvoir ligoter, porter une personne, et l'autre à côté, il va pas pouvoir. Donc l'autre à côté, ça va être plutôt une sorte de fouinard à ramasser le corps. Faut pas que l'autre il me voit. Voilà, et après, je pourrai l'examiner tranquillement. Donc B lâché. Voilà, et si je vais examiner. Bon, là où c'est bien, c'est. Bon, des clubs, tout ça, j'en ai pas besoin pour le moment. On va attendre un petit peu. Donc, il est possible que je fasse des cuts au montage parce que je me suis merdé comme une grosse merde sur le jeu. Enfin, ça fait longtemps que j'y ai joué et je vous dis là avec la manette, du coup, j'ai pas toutes les commandes en tête. Donc, c'est un peu chiant.
admirez le travail. Non, il peut pas. Non, bon, on va pas prendre de risque. Ah merde. D'accord. Allez hop. Par contre là, il faut que ligoter. Bon du coup, je l'ai pas fait comme je voulais, mais c'est pas grave. Le principal, c'est de réussir. Ligoter. J'ai ligoté les deux, comme ça ils vont pas bouger. Je vais être tranquille, je vais pouvoir faire ce que j'ai à faire. Tranquillou bilou. C'était élémentaire. Ramasser le corps. Ouais, j'aimerais bien ramasser le corps, voilà. On va le jeter, B pour. B examiner. Allez, c'est parti. Ouais, non, je vais pas prendre une arme. Les vêtements, pour l'instant, ça m'intéresse pas. Je suis pas en mode infiltration pour le moment. Ouais, je suis pas fan, hein, franchement. Hop, si je veux le lâcher là. Et donc lui, il a... Ok, bah pareil, y a pas grand-chose. Donc là, je vais essayer de switcher de personnage. Donc de mémoire, c'est... voilà, donc j'ai appuyé sur L. Donc là, j'ai la zone. Super. Donc lui, il va avoir des aptitudes, pour, par exemple, pour monter au poteau, là. Donc là, j'ai niqué tout le monde. Ok. Colonel. À escalader. Vas-y, vas-y, dépêche-toi. Pas deux heures, là. Si, si deux heures, bon. Pas l'air de vouloir. Allez, c'est y part. Donc graphiquement, il n'y a pas, grand-chose, hein, par rapport à la version PC de 2001. Faudra tester la version PS2, voir un peu. Par contre, je sais pas si... Ouais, si je descends par là, il va me voir, lui. Bon, l'idée de descendre du poteau, c'est pas forcément la meilleure. Du coup, ce que je vais faire, je vais plutôt retourner vers moi et j'ai... Je vais essayer de descendre là. Tout doucement. Les autres ont pas l'air de me voir. Et du coup, je vais me mettre par terre. Et je vais aller vers le mec par terre. Voilà. Peut-être avoir moins de problèmes. Colonel. Je vais examiner. Il y a des grenades, c'est peut-être intéressant. Hop. Donc il y a des missions qui sont vraiment vraiment excellentes. Et il y a des... Par contre, tu vas passer max temps parce que c'est vraiment bien galère. La première mission, ça te donne un peu l'idée. Donc vous voyez, hein, je vous l'avais dit, c'est pas méga oufissime. Hein. C'est pas l'un des jeux les plus punchy. C'est stratégie et tout en temps réel. Donc faut faire attention. Là, pourquoi il... Ah voilà, à descendre. Par contre, j'ai vraiment, vraiment du mal à me faire à la manette. Et là, je pense que n'importe quelle manette, hein, c'est pareil. Ah, nanana. Tout petit, je le faisais. Donc là, je vais lui filer ça. Non, ça, tu le gardes, parce que à mon avis, ça va servir pour une autre mission après. Et lui, je sais pas s'il va en avoir besoin, mais comme lui filer. Voilà. Là, non. Voilà. Je sais pas ce qu'il veut crocheter là, mais... Crocheter les barbelés. On va voir si on peut crocheter comme ça. Mais je sais pas où il veut crocheter les barbelés, donc... un endroit, je vais regarder dans l'inventaire, placer, ramasser, poser, non, c'est pas là qu'il est. Je sais pas où il veut les couper. C'était élémentaire. Là, ce qu'on va faire, on va l'assommer, lui, on veut pas de problème. Je suis en train de fumer. Admirez le travail. C'était élémentaire. Au boulot. Admirez le travail. D'accord. Au boulot.
D'accord. Au boulot. Donc de là, on a tout coupé. Donc on va voir maintenant, il va falloir... hop. Donc faites un passage dans les barbelés, déminez le terrain de l'autre côté. On va voir un peu comment on va se débrouiller. ZDL visé. Ouais. C'est mon rayon. D'accord. Je sais pas comment on peut déminer le terrain. Ok, je vois pas trop à quoi ça sert. D'accord, donc là c'est plus un appât pour après. Ok. Et là on a détecteur de mine. C'est mon rayon. Là il y a une mine. Voilà. Ok, donc comme ça bah, tout le terrain est miné là. Ok, donc là faut éviter d'y aller. Ok, donc là on est à peu près. Faut aller. Faut y aller tout doucement. C'est pas méga miné. Voilà. Donc là on en a fait. Faites un passage. D'accord. Là il y a un tabouret, ok. Donc je connais pas trop le champ d'action non plus au niveau des mines. Donc là ce que je vais faire. Hop. Je vais essayer. Ah non, ce que j'aimerais bien c'est que. Admirer le travail. Ouais mais mets-toi là. D'accord. C'est fait. Mais du coup, il en reste encore une là. Faut super attention. Faut pas faire n'importe quoi. De toute façon, là c'est ouvert, on est tranquille. Je sais pas s'ils vont me voir de là-bas. J'ai quand même un doute. Et l'autre, j'aimerais bien ligoter, mais je peux pas monter. Et là-bas, je suis coincé. Là ils vont me voir, c'est sûr. Non, peut-être pas en fait. Admirez le travail. C'est fait. Et après... Je vais mettre à plat ventre. Terminé. Ok. Donc là vous avez compris un peu le concept. Hein. Tâche effectuée monsieur. Là il me voit pas mais là il me voit, d'accord. Ok. Je vais peut-être me déguiser. Et je vais peut-être y arriver. Je vais voir. On va essayer ensemble, on va voir ce que ça donne. Puis après on va se quitter là-dessus. Comme ça vous avez compris un petit peu. Donc B examiné. Hop, on va lui filer ça. Ça on va le filer aussi. On va filer ça. Normalement, il n'y a plus de mine, mais... Je l'ai dit normalement. Parce que j'étais là-haut. J'étais là. On va voir ça. Si... si j'y vais... Je vais voir avec lui. Je vais prendre un habit. Enfin, faut essayer. Hop. On va voir ce que ça donne. Donc je vais retrouver les habits dans quoi? Là c'est toujours pas fini la quête par contre, ça m'inquiète un peu. Sauvegarde rapide. Voilà, on a fait une sauvegarde. Là j'ai des vêtements. Ok.
problème. On n'a pas négligé les ennemis, ça c'est fait. Bon, dans mon inventaire, j'arrive pas à trouver ce que je veux. Est-ce que je vais pouvoir l'utiliser ça? Utiliser la route sélection des personnages en utilisant L, ensuite sélectionner un uniforme. Tâche effectuée, monsieur. Ok. Donc il a dit avec L. D'accord. Artificier. À parcourir les uniformes, d'accord. Bon, normalement, je devrais plus avoir de problème comme ça, on va voir. Si je me fais défoncer, ben, je le saurai. Quoique, c'est peut-être pas le bon uniforme à utiliser, hein. B examiné. Et lui, il a une calache. Ok, j'en avais deux. Je sais pas si je vais pouvoir, mais... Toujours bien de s'équiper un petit peu. Voilà, donc elle. Ah, artificier, vêtements d'ouvrier. Ah, j'en avais plusieurs. Bon. Il veut pas me donner... Ça me paraît bizarre, ça. C'est fait. Ok, artificier, mais non. On va voir ce que ça donne. Là, on va faire un petit coup de détection. Admirez le travail. C'est jamais, hein. C'est un peu à la wall again. Je peux passer par là. Okay. C'était élémentaire. Bon, attends, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que je peux passer comme ça sans être vu? Ah bah non. Je ne peux pas. Bon, comme ça, on a la réponse. Enfin bref, vous avez compris le principe de Commando 2 et le système de la gestion. Donc, moi, mon ressenti. Moi, alors, c'est un jeu de 2001, c'est encore un remaster. Voilà, on ne sait pas quoi nous faire sur Nintendo Switch. Donc, on nous sort des jeux de 2001. Au niveau de la maniabilité, j'ai pas trouvé ça terrible, terrible. Vous avez vu, hein. Bon, après, c'est la première fois que je lance le jeu. Donc, du coup, comme vous avez vu, au cut au montage, j'ai dû faire plusieurs fois ce niveau, même si c'est un niveau d'entraînement. C'est assez difficile. Franchement, avec le clavier souris, c'est vraiment le combo idéal. Et moi, quand j'y ai joué sur PC à l'époque, c'était comme ça. C'était franchement une petite pépite. Moi, personnellement, je le recommande pas, même à 30 balles. Par contre, si vous avez l'occasion et vous aimez ce type de jeu pour 5-10 balles via l'eShop, bah prenez-le, vous allez vous faire plaisir. Il y a des nombreuses heures de jeu, je vais y arriver, pour y jouer, et c'est super bien. Voilà, donc c'était mon retour sur Commando 2 Remaster sur Nintendo Switch. Je vous dis à la prochaine sur Gata TV. Salut! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.